Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous accueillir et de parler le premier. Je ne sais pas si je respecte le protocole, mais on m'a demandé de le faire, donc je vais le faire avec beaucoup de plaisir. Donc, Monsieur le Préfet, Madame la Rectrice, Monsieur le Président Abdou Diouf, Président de la Francophonie, Monsieur le Recteur Bernard Cerchellini, Monsieur le Recteur Albert Lourde, Monsieur Pierre Bayet, Secrétaire Permanent de l'AIMF, Monsieur Madani Si, Ancien Ministre, ancien ministre président de l'AUF, Monsieur Bernard Soulage, représentant Monsieur le président de la région, Monsieur Alain Galliano, représentant le Grand Lyon et Monsieur le sénateur maire, Monsieur Jean-Jacques David, conseiller général du Rhône, Monsieur Oumarou Ag Mohamed Ibrahim Haïdara, président du Haut Conseil des collectivités du Mali, Monsieur Roger Deheb, secrétaire général honoraire de l'Agence internationale de la francophonie, Monsieur Armachani Pourrière, rapporteur du rapport parlementaire sur une ambition pour la francophonie, enfin Monsieur Saloundiaï, recteur de l'UCAD de Dakar. Je ne pouvais pas citer tout le monde et je vous prie de m'en excuser. Je vais me permettre de faire une plaisanterie comme l'avait fait le président de la République au Mexique. Et lorsque j'étais dans sa délégation, je l'avais entendu, il avait dit que ceux que je n'ai pas cités lèvent la main. Donc je pense qu'il va y avoir du monde. J'en suis confus, mais la liste était trop longue. Et nous sommes bien sûr ravis et honorés non seulement de vous accueillir, Monsieur le Président, mais d'accueillir un parterre aussi important du monde de la francophonie. Je voudrais excuser Madame la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Geneviève Furazo, qui se réjouit de l'inauguration de l'Institut pour reprendre ses propos et qui tient à nous assurer de tout son soutien. Je voudrais aussi excuser Khaled Bouabdallah, président de l'Université de Lyon, qui est à Paris, puisque les jeudis, et ce type de jeudi, les troisièmes du mois en général, sont ceux de la CPU. Et d'ailleurs, je devrais être à Paris, mais j'avais préféré un peu être avec vous, Monsieur le Président. Comme je l'évoquais ce matin en introduction du colloque sur la francophonie associé à la cérémonie d'inauguration de l'Institut international pour la francophonie, c'est un jour très important pour l'Université Jean Moulin, mais c'est aussi, je vous l'avais dit, Monsieur le Président, un jour très important pour l'Université de Lyon, car cet Institut de la francophonie, s'il est porté administrativement par Lyon 3, et pas qu'administrativement, aussi dans la recherche et dans l'action qui est conduite, il est pour l'ensemble de l'Université de Lyon qui souhaite y participer, j'y reviendrai. L'Institut international pour la francophonie va élargir le projet IFRAMONDE, que vous connaissez bien. Il veut apporter une contribution originale, substantielle, et suivie à une réflexion articulée à l'action qu'appelle l'actualisation et le développement du projet de la francophonie. Il s'agit en effet de relever des défis, les défis que l'actuelle mondialisation pose à la francophonie. Sa vocation est d'être tout à la fois laboratoire d'idées, de propositions, lieu d'enseignement, de recherche, multidisciplinaire bien sûr, et de débat, cœur de réseau permettant de croiser les perspectives afin de conforter les fondements de la francophonie et de dynamiser les actions communes indispensables pour assurer sa cohésion et sa capacité d'action. L'Institut veut élargir ses missions et ses partenariats avec l'ensemble de ses partenaires, dont la plupart sont présents aujourd'hui, et je les en remercie, les organisations, les collectivités, l'État, mais aussi le monde socio-économique, qui a bien sûr un intérêt considérable à s'intéresser à la francophonie. S'il faut se garder d'un optimisme naïf, je crois aussi qu'il faut sortir d'un discours pessimiste, fondé sur l'idée que l'usage du français, la francophonie, régule de manière unilatérale dans les secteurs d'avenir. Je vous assure, Monsieur le Président, que je ne savais pas que vous alliez nous dire ça quand vous êtes arrivé tout à l'heure. La réalité est plus complexe à mon sens. Si le défi est difficile, les situations de difficulté sont aussi celles des opportunités où l'on peut innover, je pense. C'est aussi un de mes traits de caractère qu'on me reconnaît, je positive beaucoup, Monsieur le Président. Et je sais qu'on dit de la névrose qu'elle concerne les individus pour qui 1 plus 1 ne peut faire que 2 et que la psychose concerne ceux qui pensent que 1 plus 1 fait nécessairement 3. J'ai peut-être bien un petit problème psychotique, je suis prêt à l'admettre. Je vous l'accorde, mais comme l'on dit communément, excusez-moi ce terme commun, j'y crois. J'y crois sincèrement et je vous remercie d'y croire avec nous. La francophonie souffre sans doute encore d'un déficit de notoriété et d'une certaine absence de visibilité. L'imaginaire francophone mérite d'être repensé dans un monde qui change. Sur ce point, la francophonie constitue un thème large, c'est bien plus qu'un thème bien sûr, mais un thème large sur lequel beaucoup s'expriment sous des angles parfois divers. Comme on le dit là aussi communément, si tout le monde en parle, le concept peut paraître parfois encore un peu trouble dans sa définition, et tant dans sa définition que dans son intérêt ou son utilité. Cela laisse place parfois à des interprétations et à une perception de la francophonie souvent caricaturale
ou stéréotypée qui s'étend du prisme colonial, néocolonial à une résistance nostalgique, symbolique et ou floue pour un compas parfois considéré d'arrière-garde et ou perdu d'avance. Ce déficit de notoriété associé parfois à une absence de visibilité encore trop claire est préjudiciable alors que la francophonie constitue un atout parmi d'autres pour les francophones mais aussi bien au-delà des francophones car ce rôle et son utilité dépassent aussi celui des espaces francophones tant pour le monde universitaire que pour le monde socio-économique et que son rôle et sa place dans la mondialisation sont plus à définir et à organiser qu'à prouver, j'en suis totalement convaincu. Je crois que la francophonie ne doit pas être envisagée comme un objet, l'objet francophonie qui voudrait imposer un modèle. Un effort d'étude et de recherche est donc indispensable pour comprendre la place et le rôle de la francophonie dans la mondialisation. C'est un peu un des rôles que devra remplir notre institut, à vos côtés et aux côtés de tous ceux qui réfléchissent à la question. Les enjeux de la coopération francophone et de la francophonie politique, ainsi que le rôle que peuvent jouer la langue et la pensée francophone dans un monde ouvert à un multilinguisme généralisé. Une question s'impose, quel rôle moderne donner à la francophonie et à la langue française, fondée sur le dialogue interculturel ? À cela s'ajoute à tous les niveaux le besoin de multilinguisme. Ce sont là, me semble-t-il, deux facteurs d'attraction moderne décisifs et nouveaux qu'il faut encore et toujours étudier. La francophonie est sans doute à un tournant et les enjeux sont majeurs. Mais les difficultés qu'elle rencontre sont aussi une opportunité, comme je l'ai évoqué, pour lui donner un rôle moderne et innovant. Le monde ne tourne pas autour de la francophonie. Il faut la situer, à mon sens, dans le contexte de la transmission fondamentale que constitue la mondialisation, qui bouleverse les interactions, non seulement entre les États, entre les économies, mais aussi entre les sociétés et leurs cultures. Elles mettent en présence intensive et en concurrence des visions du monde, des modes de vie, des valeurs, des préférences collectives, donc des facteurs culturels, dont les différences acquièrent une portée politique et universelle. La mondialisation, sous ses formes actuelles, montre ses propres limites, qui supposent qu'on trouve des alternatives. Les enjeux géoculturels ne sont pas réductibles aux seuls enjeux géopolitiques et géoéconomiques, et ils constituent bien aujourd'hui des facteurs décisifs dans les attentes sociales et le besoin de sens qu'expriment les sociétés. On ne peut prendre au sérieux la francophonie comme ensemble à fondement linguistico-culturel sans considérer la nature et l'importance de ces enjeux. Le besoin est réel de création de modèles identitaires, c'est-à-dire répondant aux caractéristiques territoriales, au sens du territoire. Les approches du monde francophone constituent une alternative parmi d'autres aux approches mondialisées. Elles sont essentielles à la définition de modèles identitaires souhaités par les partenaires, mais à condition qu'ils ne soient pas opposés ou proposés en opposition au modèle. Le modèle anglo-saxon, par évidence, tout le monde y pense. Le débat n'est pas de situer la francophonie et le français en opposition à l'anglais, mais de le situer sur des constats et des arguments objectifs définissant le rôle potentiel de la francophonie dans la mondialisation. Ce n'est pas une place qui est à défendre, mais un rôle qui justifiera la place. Il faut des propositions qui soient innovatrices, non de restauration, de résistance ou d'adaptation passive et résignée. Les opérateurs de la francophonie, je crois, doivent être complémentaires en partenariat. La francophonie doit être mobilisatrice et partagée, et non pas cloisonnée ou réservée. La francophonie est justement universelle, vous l'avez tellement montré. C'est bien l'objectif que nous nous sommes fixés à Lyon, où si l'Institut est institutionnellement porté par Lyon 3, il est, comme je l'ai déjà dit, un outil au service du site et de l'ensemble des membres de l'Université de Lyon pour l'enrichissement d'un projet que nous voulons partager, commun, mais aussi marqué par la diversité des centres d'intérêt, qu'ils soient disciplinaires ou thématiques. Et nous avons déjà commencé, Monsieur le Président, puisque au sein de la commission des RI, il y a une commission permanente qui travaille sur la francophonie et un groupe de travail francophonie, où j'ai le plaisir de vous dire qu'il est représenté par 20 établissements qui travaillent, s'interrogent et veulent développer la recherche sur ce thème sur l'Université de Lyon. Les valeurs qu'on reconnaît à la francophonie, souvent en référence à la démocratie, aux droits de l'homme, celles que vous avez portées et su si bien faire valoir, sont des facteurs d'attractivité. C'est pourquoi je crois que la francophonie pèsera d'autant plus qu'elle s'ouvrira, et ne constituera pas tant sur le fond que sur la forme un espace réservé, peu favorable aux relations internationales, et qui pourrait être interprété comme une forme de protectionnisme. Ce n'est jamais ce que vous avez défendu, et c'est bien là votre grand mérite. Monsieur le Président, j'aimerais vous adresser au nom de mon établissement et au nom de l'Université de Lyon mes remerciements les plus sincères. Vous m'avez accordé plusieurs entretiens depuis 2 ans et j'aimerais vous dire combien j'ai été frappé lors de ces rencontres par votre engagement, c'est une évidence, il est connu, mais aussi, si vous le permettez, par votre passion, votre enthousiasme, votre jeunesse. On m'avait dit, le président est très occupé, il ne pourra vous accorder que quelques minutes.
Vous m'avez accordé bien plus que des minutes, parce que vous m'avez même gardé souvent plus d'une heure. J'ai même noté une fois 1h40, monsieur le Président. Nos échanges avaient un fil conducteur, la francophonie, mais ils nous ont conduits à resituer la question dans un cadre bien plus général qui donnait tout son sens aux enjeux. Vous avez une capacité hors du commun, monsieur le Président, si je peux me le permettre, à donner du sens aux choses dont nous avons besoin, dont la francophonie a besoin. Merci encore pour votre écoute, votre soutien. L'Université de Lyon n'oubliera pas ce qu'elle vous doit. Sincèrement, monsieur le Président, merci. Daladiev. Me permettez-vous de dire un mot à Michel Guillou? Je suis un peu long, mais j'en profite. Aujourd'hui, je suis le président de l'université, je me donne quelques droits que l'autonomie me donne. Et monsieur le préfet ne me fait pas un œil trop sévère pour l'instant. Voilà. De toute façon, je le sais, il m'arrêtera quand il en aura marre. Donc. Permettez-moi enfin d'adresser également un message de remerciement à Michel Guillou, directeur d'Iframonde. C'est grâce à vous, Michel, si nous sommes là aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Le projet d'institut, c'est vous qui me l'avez proposé, et bien sûr, vous l'avez construit avec monsieur le président Diouf. La francophonie à Lyon 3, c'est vous, et si vous n'aviez pas été là, il n'y aurait pas eu question de francophonie, c'est incontestable, même si, comme vous l'avez dit, vous avez reçu des soutiens politiques, qu'ils soient de la région, qu'ils soient aussi des maires qui se sont succédés. Je vous remercie aussi pour nos échanges, nos différends, il faut bien le dire, qui nourrissent les débats et où le verbe francophone entre nous a parfois été un peu haut, il faut bien le dire aussi, mais toujours respectueux et constructif, je vous en remercie. Je voudrais souligner quelques-unes de vos qualités qui expliquent aujourd'hui l'attachement que je vous porte. C'est un peu paradoxal, mais le fait que vous soyez... Bon, je vais oser, je vous l'ai dit, monsieur le Président, que j'allais manquer un peu au protocole. C'est pas très protocoleur ce que je vais vous dire, mais monsieur le Président Michel Guillou est un emmerdeur. Je sais, c'est un peu provocateur. C'est aussi pour détendre un peu l'atmosphère, puisque je voulais être protocolaire, mais cette ténacité vous honore, Michel. Même si je l'ai beaucoup subi quand même... J'aimerais que beaucoup de nos collègues la partagent. Vous êtes un passionné de la francophonie, vous la transpirez au propre comme au figuré. Et même si nous n'avons pas toujours eu la même vision des choses, même si je crois qu'aujourd'hui nous sommes très proches sur la vision des choses, vous avez toujours eu une vision de la francophonie. Et ça, c'est extrêmement important, je le rappelais ce matin. C'est essentiel quand on est un homme de projet, et vous êtes incontestablement un homme de projet, Michel. J'ai eu le plaisir de livrer quelques combats avec vous, avec une volonté commune de faire avancer la francophonie. J'ai été heureux de mener ces combats avec vous. Si vous le permettez, Michel, excusez-moi cette indiscrétion, mais vous avez encore un combat pour lequel j'aimerais vous dire que je suis avec vous, même si je sais que vous devrez le livrer seul. Mais j'ai confiance en mon vieux lion, Michel. Pour conclure, enfin... Pour conclure enfin, et je promets de faire très court cette fois-ci, monsieur le préfet, car je sens que votre œil devient sévère. Pour conclure enfin, je voudrais vous remercier, madame la rectrice, pour votre soutien général aux universités du site, vous dire que nous avons une chancelière des universités à Lyon. Nous le voulions, nous l'avons. Merci. Plus particulièrement, je vous remercie dans le cadre de la francophonie pour votre effort patrimonial, si je puis dire, qui va nous permettre d'accueillir l'Institut dans les murs du rectorat, dans un endroit prestigieux, bien sûr, et si vous le permettez, dans votre résidence. Merci donc de nous accueillir. C'est peut-être aussi que vous nous accueillez et que le recteur nous accueille un symbole. Je vous remercie de votre attention. Oui, eh bien écoutez, on va passer maintenant à une sorte de petit parcours historique. Je vais demander au recteur Christian Philippe, qui dans les années 2000-2001 était premier maire adjoint de Lyon et qui donc a bien suivi ce parcours qui a fait que la ville de Lyon a fait en sorte, avec l'Université de Lyon 3, de créer Iframonde en 2001 et puis un peu plus tard, en 2002, là, le président Diouf est entré en scène, il a inauguré la chaire, la création de la chaire Saint-Gor de la francophonie. Donc, Christian, tu es la mémoire, et donc... Je te donne la parole. Je pense que nos micros marchent. Bien, bonjour.
Je me permettrai, et vous m'en excuserez, monsieur le secrétaire général, monsieur le préfet, monsieur le président, de ne pas reciter tout le monde. C'est toujours un petit peu impressionnant de s'entendre dire que vous êtes la mémoire. Ça prouve que j'ai pris quelques années. Mais en fait, ce n'est pas la mémoire que je représente qui doit être mise en exergue ici. Et je préfère m'appuyer sur le programme qui vous a été donné. C'est d'une certaine façon un hommage à Raymond Barre qu'il m'a été demandé de rendre. Je n'étais que le premier adjoint du maire de Lyon et du président du Grand Lyon de l'époque. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi, dans ce type de manifestation, pourquoi cet après-midi, les organisateurs souhaitaient-ils, et ont-ils écrit sur le programme, hommage à Raymond Barre. Peut-être parce que, sans son impulsion, nous ne serions pas ensemble, réunis, pour cette manifestation. D'abord, Raymond Barre, permettez-moi de le dire, personne n'a le droit de parler au nom de quiconque, et surtout d'une personne qui a disparu, mais je crois pouvoir témoigner de nombreuses conversations sur la francophonie avec lui, et je crois qu'il avait parfaitement compris que la mondialisation ne pouvait être synonyme d'uniformité, mais qu'elle se caractériserait par l'émergence d'un monde multipolaire, et que ce dernier devrait entraîner alors diversité culturelle et plurilinguisme. Même si il était personnellement engagé dans des réseaux, disons, anglophones, je pense à Aspen, je pense à Davos, ou peut-être parce qu'engagé dans ces réseaux, il avait conscience que la francophonie avait parallèlement toute sa place au XXIe siècle. Il croyait qu'elle était non seulement une chance pour la France, mais une condition d'une mondialisation équilibrée, un instrument pour défendre nos intérêts, ceux de la France, mais ceux des pays francophones, en donnant un contenu à cette langue et à cette culture que nous avons en partage. Son expérience européenne, me semble-t-il, lui avait montré, et l'actualité récente, d'une certaine manière, en est la démonstration, qu'être européen ou citoyen du monde ne pouvait se concevoir sans rester inscrit dans une identité nationale dont la langue est un des facteurs premiers. Maire de Lyon, président du Grand Lyon, il m'a très vite demandé d'accorder une priorité aux relations nouées avec les villes partenaires de l'espace francophone. Et lui-même a eu l'occasion à plusieurs reprises de se rendre dans ces villes. Je pense à Beyrouth, je pense à Ho Chi Minh Ville, je pense à Montréal, bien sûr, avec qui les liens de Lyon sont très forts. Et dans ce même temps, on est en effet au début des années 2000, Michel Guillou, quittant ses fonctions à l'AUF, devenait disponible. Ainsi est née l'idée de demander à Michel de venir à Lyon. Ainsi est née l'idée de créer Inframonde, l'idée d'en confier la responsabilité à Lyon 3 et d'aider cette université à créer, pour la première fois en France, un lieu de formation et de recherche sur la francophonie. Je peux témoigner de l'intérêt personnel de Raymond Barre à cette initiative, de sa conviction qu'elle était nécessaire et que ce serait positif pour Lyon de devenir le lieu d'implantation d'un tel pôle. Son message à mon endroit, je pense qu'Alain Bidot qui est là dirait la même chose puisqu'il avait les responsabilités dans ce secteur, était d'aller de l'avant, d'aider Michel Guillou à mettre en œuvre cet institut à travers la vision qu'il avait de la nouvelle francophonie et d'une francophonie inscrite dans la mondialisation. Cette ambition, qui est née donc il y a une quinzaine d'années, s'est concrétisée dans l'action accomplie et la dimension voulue désormais par le président Combi, il vient d'en parler, de créer sous une forme nouvelle cet institut, je crois, montre bien que Lyon, et Lyon 3 en particulier,
a une juste ambition d'être un pôle moteur de la francophonie au cours des prochaines années. Mais si le soutien apporté alors par le maire de Lyon nous permet cette manifestation, vous me permettrez, en terminant, de rendre hommage, bien sûr, cela vient d'être fait par le président Combi, à Michel Guilloux. Il a été l'âme de la concrétisation de l'idée alors née. Sans lui, rien n'aurait été possible. De rendre hommage aussi aux présidents successifs de Lyon 3. Je crois que Michel Guilloux leur a beaucoup demandé. C'est en effet un emmerdeur, quand il veut, l'expression du président Combi. Oui, monsieur. Le président Combi l'a dit très justement, il demande beaucoup, mais il demande au service de l'idée qu'il avait. Et je crois, quand on voit ceux qui sont réunis ici, beaucoup de fidèles de ces 10-15 dernières années, chaque année, à l'occasion de ces entretiens, au niveau de l'université d'été d'Iframonde, dans les enseignements donnés ici et un peu ailleurs dans le monde de la francophonie, la permanence de la présence des étudiants venant des autres pays francophones montre que, voilà, il a peut-être raison de demander beaucoup. Et les présidents successifs de Lyon 3 ont eu sans doute, comme M. Combi aujourd'hui, raison de céder à ces pressions. Enfin, qu'il me soit aussi permis de remercier au nom de tous le président Diouf, parce qu'il a aussi toujours soutenu, nous en avons souvent parlé, Iframonde, parce que, et surtout il personnifie depuis des années la francophonie, parce qu'il lui a permis, je crois, d'être définitivement reconnu. Et s'il doit y avoir ici un institut sur la francophonie, encore fallait-il que cette francophonie existe. Et si elle existe aujourd'hui, Monsieur le Président, elle vous doit beaucoup. Merci. Amis, je voudrais, avant de vous donner et donner au secrétaire général de la francophonie un petit bilan de ces 10 années d'Iframonde, dire une chose amicale pour mon président. Je l'autorise à créer l'association des... des soutiens à l'emmerdeur Michel Guilloux. On fera une petite cotisation sérieuse quand même. Je voudrais, quelque part, puisque je dois vous faire ce bilan, d'abord dire un mot sur le président Diouf. Vous savez, l'innovation est quelque chose qui suppose des passeurs, qui suppose des parrains. La volonté ne suffit pas. Le président Diouf était Premier ministre du Sénégal, je pense qu'il me permettra d'y faire allusion, quand le président Senghor, qui était un peu embarrassé de cet emmerdeur qui créait l'IUT de Dakar avec quelques remous ici et là, m'a demandé, après m'avoir convoqué au palais, de voir son Premier ministre régulièrement, tous les mois, tous les 6 semaines, pour faire le point. Et ainsi, pendant 2 à 3 années, jusqu'à mon départ du Sénégal, j'ai rendu compte. Et c'est de là qu'est née, je crois, on peut dire, une estime profonde. Moi, pour moi, une fidélité, pour le président aussi, une fidélité et une estime pour Michel Guilloux. Et je veux dire que, puisqu'on parlait de Raymond Barre, je me souviens de Raymond Barre, Premier ministre, recevant le président Diouf au Quai d'Orsay. Et il y avait une queue, une longue queue.
tout d'un coup, je vois le regard du président Diouf s'allumer et il salue Michel Guillou en disant à Raymond Barre, voilà, je vais vous présenter Michel Guillou. Et c'est, je crois, aussi une des clés de ma relation un peu privilégiée avec Raymond Barre. Ce que vous sachiez, chers amis, c'est que le président Diouf est à l'origine de la francophonie universitaire telle qu'elle est vécue par l'Agence universitaire de la francophonie. Car c'est lui qui, au premier sommet de la francophonie, en 1986, dans son discours, a appelé à ce que les universités se mobilisent pour la francophonie. Et je crois que cette mobilisation a conduit progressivement à l'idée de créer un opérateur de la francophonie, de créer l'Agence universitaire de la francophonie, mobiliser le réseau des universités. Et puis, plus tard, en 2002, dès qu'il a été élu président, secrétaire général de la francophonie, le président Diouf est venu ici. Et à une époque où, vous voyez, la notion de cher Saint-Gor de la francophonie était quand même une notion encore un peu brute de décoffrage, où il n'y avait pas que des partisans, eh bien, il a tenu à venir plusieurs fois ici, inaugurer la chaire de Saint-Gor de Lyon, à venir finalement aussi plusieurs fois inaugurer des entretiens de la francophonie. Et c'est peut-être le dernier point qui montre que, avec le président Diouf, il y a une tradition de fidélité et d'amitié. Je crois savoir, mais c'est peut-être un secret qui n'est pas le bon, qu'au sommet de Chaillot, un petit peu avant le sommet de Chaillot, il y a eu une réunion au sommet entre le président Mitterrand, le premier ministre canadien et le président Diouf, pour savoir si l'Opel Furef allait exister, allait continuer d'exister. Et je crois que ce jour-là, le président Diouf a été déterminant dans l'avenir de cette innovation qui était de créer l'Opel Furef. Donc, oui, c'est un de mes premiers remerciements, le remerciement de Saint-Zère à un homme qui a fait la francophonie, en tout cas j'en suis témoin, il a fait la francophonie universitaire en l'encourageant depuis le début. Je voudrais dire un mot aussi, sans peut-être citer tout le monde, parce que, encore que je vais dire un mot sur le président Cordier, c'est pas rien que la région Rhône-Alpes, après le maire de Lyon, se soit mobilisée pour la francophonie, et je le disais tout à l'heure au vice-président Soulages, c'est quand même des sommes assez considérables qui ont été mises au service de Lyon 3 pour développer la francophonie. Je crois qu'il faut maintenant remercier bien sûr aussi le département qui s'engage maintenant dans cette francophonie lyonnaise. Remercier bien sûr l'OIF, mais remercier aussi l'AUF qui nous accompagne. Très rapidement, quelques mots pour montrer au président Diouf et à vous tous le chemin parcouru. C'est quoi aujourd'hui la montée en puissance de l'Inframonde? Eh bien, c'est finalement progressivement en 10 ans une offre de formation qui fait que finalement on forme des jeunes à la francophonie. Et moi, je suis extrêmement frappé de l'importance de donner au débat, de donner à la formation ses lettres de noblesse. Quand je vois mes étudiants, qu'ils soient vietnamiens, africains et autres, qui parlent de francophonie, ils commencent à partager quelque chose. Ils commencent à partager un espoir et un avenir. Et nous avons, le président Combi l'a rappelé, développé la recherche. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, je vais vous donner quelques chiffres quand même, sans vouloir aller trop loin dans les chiffres. C'est 417 étudiants qui ont été formés à Lyon, dans Master. Donc 417 diplômés de Master 2 à Lyon. C'est près de 250 qui ont été formés en délocalisé, c'est-à-dire à Yaoundé essentiellement, à Hanoï. Monsieur l'ambassadeur du Vietnam qui est là, je vous en remercie beaucoup, le Vietnam, et je remercie aussi vous personnellement parce que vous étiez président de l'ADV. Quelque part, là aussi, ça a été un vrai partenariat. C'est quelque part aussi, quand on parle de francophonie pour les décideurs, il y a eu plus de 900 élus qui sont venus, élus des collectivités locales, conseils régionaux, conseils généraux, mairies, qui sont venus à Lyon suivre les universités d'été. J'ajouterai un peu un bilan recherche.
bien, nous en sommes maintenant à plus de 12 thèses portant sur l'objet francophonie. Et on peut dire quelque part que la francophonie est vraiment devenue aujourd'hui à Lyon et dans les chaires francophones, est devenue un objet de formation et de recherche. Et alors, ça me donne l'occasion de saluer tous les amis titulaires de chaires qui sont là, aussi bien notre ami Tapi Manga, notre ami Ndiaye, notre ami Ludotan, et nos amis de Timisoara, nos amis aussi de Yaoundé et de Ouagadougou. Donc, finalement, petit à petit, s'est construit effectivement un pôle de formation et de recherche sur la francophonie. Alors, ce qui est extrêmement important, personne ne l'avait fait, c'est que cette université, en partenariat avec le président Diouf, après discussion avec le président Diouf, a décidé de donner quelque chose de plus fort. Au fond, dans le nouveau statut, dans la nouvelle dimension, non seulement il y a un changement considérable au niveau des statuts, nous devenons une composante de l'université de Lyon 3, composante à part entière. Deuxièmement, changement aussi dans les moyens. L'université non seulement donne des moyens financiers, mais a décidé d'investir en ressources humaines, professeurs, maîtres de conférences, personnel administratif. Et enfin, tout à l'heure ça a été rappelé, j'allais dire, on peut le dire après tout, mon successeur, hein, il a beaucoup de chance. Il va avoir de magnifiques locaux dans les locaux libérés par le rectorat. Et voilà, je pense que la roue tourne et que nous avons maintenant à Lyon, en liaison avec la francophonie institutionnelle, nous avons un outil organisé, pérenne, de recherche, de formation, de, oui, une sorte, j'allais dire un mot, mais je ne vais pas le dire, parce que c'est en anglais, de table d'idées pour la francophonie. Nous allons réfléchir à Lyon, nous avons les moyens de réfléchir. Et donc, voilà ce que je voulais simplement dire. Nous avons maintenant 17 chaires dans le monde, et finalement, petit à petit, tout à l'heure, discuter avec le président Diouf et le président Combi. Le débat. Quand on s'est rencontrés, le président Combi et moi, on venait d'univers différents. Eh bien, petit à petit, on a compris ensemble, en faisant chacun des pas dans le sens de l'autre, que finalement, on pouvait construire un monde nouveau, que dans la mondialisation, et ça, c'est important, je termine là-dessus, la francophonie, la langue française, ce n'est pas simplement la poursuite de ce qui a été fait hier. C'est tout à coup la prise à bras-le-corps de la demande de la mondialisation. La mondialisation a besoin d'espace de dialogue des cultures, a besoin d'espace linguistique comme la francophonie. La mondialisation a besoin de multilinguisme. Nous sommes les fers de lance d'une nouvelle vision, d'une nouvelle organisation du monde, d'une nouvelle francophonie. Voilà, Monsieur le Président Diouf, et je ne sais pas si j'ai fait passer le message, mais mon message... Je vais finir par être ému. Mon message, c'est vraiment celui de l'amitié. Grâce à votre amitié, à votre, comment dirais-je, parrainage, eh bien, finalement, la petite plante a fait bourgeonner, et puis la pousse a grandi. Voilà, Monsieur le Président Diouf, Monsieur Combi, Monsieur le Préfet, Madame la Rectrice, ce que je voulais dire en quelques mots à tous nos amis qui sont là aujourd'hui. Merci. Je voulais maintenant donner la parole aux forces qui s'engagent dans l'Institut. Et ces forces, elles sont de plusieurs natures. Il y a d'abord une force, j'allais dire, opérationnelle. Donc, le recteur Cerchellini, le recteur Lourdes, je crois qu'on a décidé, par le protocole, de commencer par le pays le plus loin, c'est-à-dire par le recteur Lourdes, et terminer par Paris, hein, parce que le monde est à Paris. Donc, nous dire un peu comment ils voient les choses. Et puis, après, nous demanderons à nos amis de la région,
vice-président Soulages, à nos amis du département, à nos amis de la ville, de nous dire aussi comment les collectivités rhodalpines vivent et sont aux côtés de l'Université Lyon 3 pour le développement de la francophonie. Donc, je donne la parole, s'il veut bien, à monsieur le recteur Lourdes. Monsieur le secrétaire général de la francophonie, monsieur le président de l'Université Jean Moulin, monsieur le préfet, madame la rectrice de l'Université de Montpellier, monsieur... c'est la présence de monsieur Philippe. Non, madame, excusez-moi, madame la rectrice de l'Université de Lyon, monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de participer à la cérémonie d'inauguration de l'Institut international pour la francophonie qui succède aujourd'hui à Iframonde. J'étais présent le vendredi 2 février 2001 avec Michel Guillou à l'inauguration d'Iframonde par monsieur Raymond Barre. Quel chemin parcouru depuis lors et quel service éminent rendu à la francophonie par cet institut de l'Université de Lyon sous la direction de Michel Guillou. L'Université de Lyon qui est devenue certainement l'université française la plus ouverte sur la francophonie, la plus dynamique et la plus militante sous votre direction, monsieur le président. Lorsque j'étais doyen de la Faculté internationale de droit comparé des États francophones de l'Université de Perpignan, j'ai eu le privilège de collaborer étroitement au début d'Iframonde en tant que professeur, en tant que directeur de mémoire, en tant que membre de jury de soutenance. Et je peux dès lors témoigner de la grande qualité des formations dispensées par des professeurs venus des grandes régions de la francophonie. Et j'ai également participé au jury d'un grand nombre de thèses portant sur la francophonie ou sur un objet francophone. Et on ne soulignera jamais assez sur le rôle joué par Iframonde en tant que laboratoire de réflexion sur les institutions et les politiques francophones à travers les travaux de ses étudiants, de ses professeurs, mais également à l'occasion des entretiens de la francophonie, ces séminaires biannuels que vous organisiez, Michel Guillou, donnant aux concepteurs et acteurs des politiques francophones l'occasion de se rencontrer, de confronter leurs points de vue. Pouvoir participer à la totalité d'entre eux, je peux témoigner de leur grande qualité et de leur utilité. Cette coopération a continué avec l'Université Senghor d'Alexandrie, notamment dans le cadre du réseau des chaires Senghor. L'Université Senghor, vous le savez, est l'université de la francophonie pour le développement africain. Et on en a beaucoup discuté ce matin, l'Afrique, selon les démographes, regroupera au milieu du siècle entre 1,5 milliard et 2 milliards d'habitants. Le nombre de locuteurs francophones devrait atteindre ou dépasser 800 millions et représenter près de 10% de la population mondiale contre 3% aujourd'hui, c'est-à-dire un habitant sur 10 dans le monde devrait être francophone. Cette explosion spectaculaire de la francophonie serait due à la croissance démographique de l'Afrique. Il faudrait en tirer toutes les conséquences, car 80% des francophones se trouveraient dès lors sur le continent africain. Mais cela, c'est le futur, c'est-à-dire la projection pour l'avenir des données actuelles. Mais pour que l'avenir corresponde au futur, pour que l'avenir de l'Afrique, aujourd'hui francophone, se dise et s'écrive en français, il faudra faire, et on en a discuté ce matin, un effort, un gros effort en matière de formation. Iframonde, avec son millier de diplômés, a déjà formé des cadres africains de grande qualité, notamment au niveau du doctorat. Et je suis certain que l'Institut international pour la francophonie poursuivra la tâche entreprise et la mènera plus avant parce qu'elle repose sur les bases solides qui lui ont été léguées par Michel Guillou. Que la direction du nouvel institut soit d'ores et déjà assurée de la coopération et du soutien fidèle de l'Université Senghor d'Alexandrie.
J'ai besoin de mes mains pour parler. Monsieur le secrétaire général, j'ai besoin de mes mains pour parler. Je sais. Sur les occupes, je deviens muet. Monsieur le secrétaire général, monsieur le président, madame la rectrice et messieurs les recteurs, nous formons une belle brochette de recteurs aujourd'hui. Monsieur le préfet, messieurs les représentants des États, gouvernements, collectivités territoriales, chers collègues, étudiants et amis, la francophonie universitaire n'a jamais été aussi forte. L'Agence universitaire de la francophonie, dans sa mission associative, regroupe désormais 800 établissements à travers le monde, situés dans 100 pays. Du Brésil, où l'enseignement supérieur et la recherche ont émergé, à un point tel que nous avons ouvert une antenne à São Paulo et un point tel que nous avons tenu notre dernière assemblée générale à São Paulo. Il y avait là 640 recteurs et présidents d'université, dont ceux qui m'entourent. Jusqu'à la Chine, où grâce au dynamisme clairvoyant du professeur Olivier Garot, qui dirige notre bureau Asie-Pacifique très très brillamment, un bureau que vous connaissez bien, monsieur le recteur, puisque vous l'avez dirigé, ce qui prouve que c'est un poste d'avenir. Eh bien, grâce à notre directeur, nous multiplions les adhésions en Chine et nous aurons bientôt une quinzaine, voire une vingtaine d'établissements adhérents et j'ouvrirai en 2015 une antenne à Shanghai. La francophonie universitaire n'a jamais été aussi innovante. Elle a su se saisir de tous les grands enjeux de l'enseignement supérieur, outils du développement, la gouvernance universitaire, l'évaluation des universités, le numérique, et le numérique depuis 22 ans. Nous avons maintenant 68 campus numériques, une expertise mondialement reconnue dans le domaine de la formation à distance. La formation à distance, le grand outil pour aider les universités du Sud, soumises à des problèmes de massification, à des problèmes de pédagogique. Nous sommes, nous, francophones, en pointe là-dessus. Et l'AUF travaille tous les jours avec la conférence des présidents d'université, avec le ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec l'université Senghor, avec tous les partenaires. Nous sommes, nous, les francophones universitaires, à la pointe de l'innovation. Alors cette francophonie universitaire, elle doit être féconde intellectuellement. Elle aide, et c'est bien une des missions de l'AUF, à produire des savoirs utiles au développement dans les grandes disciplines nécessaires, la médecine, la biologie, l'économie, l'agronomie, etc. Mais elle aide aussi à produire des savoirs universels, utiles au progrès de la pensée. Elle doit aider à produire des savoirs sur son propre objet. La francophonie universitaire doit réfléchir à ce qu'est ce développement historique, aux effets de ce phénomène partout vérifié et dans l'histoire, qui est que quand on parle français, on s'unit. Il y a là matière à réflexion en sciences politiques, en géographie, en histoire, en politique linguistique. Il faut des savoirs universels, neufs et validés. C'est donc le constat d'un manque au plan scientifique universitaire. Il y a dans le monde des centres d'études francophones, des laboratoires de recherche, 4 excellents aux États-Unis, et succédant à Edouard Glissant, j'ai eu l'honneur de diriger l'un d'eux. Il fallait que la France ait un centre de recherche sur la francophonie et dans ce domaine-là. Et ce centre se devait d'être à Lyon quand on sait le rôle de cette ville dans l'histoire de la francophonie, dans son développement. Et le recteur Philippe vient de saluer l'œuvre de Raymond Barre. Il aurait pu citer aussi la grande exposition qui s'est tenue en l'an 2000 sur la langue française à Lyon. Je la connais, j'en étais le commissaire. Et puis, l'histoire de la ville de Lyon dans le développement de la langue. Après tout, c'est à Lyon qu'en 1550, on a publié la première grammaire française, préparé par quelqu'un qui signait fièrement Louis Maigret, virgule, lyonnais. Et puis ce centre devait être à l'université, qui a toujours porté des recherches de haut niveau, qui a structuré un ensemble régional. Comme dit madame la rectrice, l'enseignement supérieur à Lyon est extrêmement dynamique et prometteur. Il fallait que ce centre fût installé à Lyon. Alors, eh bien, c'est le professeur,
Michel Guillou à Lyon 3 qui a eu cette idée, et l'on connaît sa capacité d'initiative, son ardeur pionnière, et il a créé un lieu, Inframonde, qui était un lieu polyvalent de formation, d'échange, de débat, les entretiens, les colloques, et l'AUF a soutenu du début jusqu'à maintenant ce lieu de formation et de réflexion. Mais il devait arriver un jour où il fallait en faire un vrai laboratoire scientifique universitaire. Et c'est le président Jacques Combi, dont on sait l'attachement à la francophonie. On vient d'en avoir une nouvelle preuve. Je rappelle que Jacques Combi siège au conseil d'administration de l'AUF, et c'est un membre éminent qui intervient brillamment et régulièrement. On l'a même mis à la commission des finances. Je me demande si j'ai eu raison, mais enfin, c'est pas grave. Il est à la commission des finances maintenant, qui a décidé d'en faire un laboratoire, je dirais, aux normes universitaires, aux normes académiques, avec des fonctionnements, un conseil scientifique, une évaluation, des indicateurs. Vous savez, la recherche scientifique, c'est une compétition maintenant. Il faut être bon, il faut répondre à des critères, il faut savoir être dynamique, et grâce au président Combi, Inframonde va être hissé à la hauteur d'un institut, une composante de l'université, un vrai laboratoire pluridisciplinaire, laboratoire d'idées, lieu de recherche, et qui vont être soutenus, c'est-à-dire ce que nous attendons, nous, universitaires, d'un vrai laboratoire ayant pour objet ce qui nous fonde, qui nous réunit et qui nous meut. En un mot, et pour conclure, mesdames et messieurs, la francophonie du savoir a besoin de savoir sur la francophonie. Et grâce à cet institut, elle va en disposer. Je vous remercie. Bien, chers amis, avant de donner la parole aux représentants des collectivités locales, je voulais peut-être dire aussi un mot sur l'équipe des collaborateurs qui travaillent depuis 10 ans avec moi à Inframonde. Je ne vais pas les nommer, sauf peut-être dire un mot pour Sandrine David, qui est, vous la connaissez tous, la cheville ouvrière. Bon, écoutez, maintenant, je vais peut-être demander dans l'ordre région, département, ville, ou inverse, c'est comme vous voulez. L'inverse. Bon, bien, je vais demander au département de venir, alors. Pardon ? Grand Lyon, pas fouler. Grand Lyon d'abord. On va vous mettre un chevalet. Monsieur le secrétaire général, monsieur le préfet, madame la rectrice, monsieur le président de l'université, mesdames, messieurs. Ça a été évoqué tout à l'heure avec l'hommage à Raymond Barre que les relations de Lyon avec le monde de la francophonie ne sont plus à démontrer. Les différentes activités soutenues par la ville contribuent à la promotion de la francophonie et de ses valeurs de partage, de tolérance et de diversité culturelle. Elle contribue aussi à favoriser la mixité et la proximité des individus et des populations dans le respect de la différence. Inframonde, qui a été créé, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises en 2001, par l'université de Jean Moulin Lyon 3, devient aujourd'hui l'Institut international pour la francophonie. Cet institut veut, et je m'en félicite, apporter une contribution originelle, substantielle et suivie d'une réflexion qui s'inscrit, comme ça a été évoqué, dans les défis qu'impose l'actuelle mondialisation. Ce sera donc un laboratoire d'idées, de propositions et d'expérimentation, un lieu d'enseignement, de recherche multidisciplinaire et de débat. Les implications de Lyon pour promouvoir la francophonie sont multiples.
pour n'en citer que quelques-uns, ce n'est pas limitatif. La première maison de la francophonie de France a été ouverte à Lyon en 2008. Les premiers états généraux de la francophonie décentralisée se sont également tenus à Lyon en octobre 2010. Lyon a adhéré à l'Association internationale des maires francophones. Le Forum international francophone préparatoire à Rio 20 s'est tenu à l'Hôtel de Ville de Lyon en février 2012. Lyon subventionne par ailleurs diverses associations ou institutions culturelles sur la base de la francophonie. Lyon réserve enfin une place de choix à la francophonie sur le village international des fêtes consulaires en accueillant la maison de la francophonie. Pour toutes ces raisons, vous comprendrez combien je suis heureux et honoré aujourd'hui de représenter M. Collomb, maire de Lyon et président du Grand Lyon, pour cette inauguration importante. Fort de l'important potentiel francophone sur notre territoire, je viens de prendre mes fonctions comme vice-président des affaires internationales au Grand Lyon, et donc j'ai décidé avec mes équipes, mon service de la direction des affaires internationales, de conduire une réflexion pour élaborer une véritable stratégie en matière de francophonie. Nous réfléchissons également à l'organisation d'événements francophones spécifiques susceptibles de fédérer et de mobiliser l'ensemble des nombreux acteurs de la francophonie pour permettre un élan commun et contribuer au rayonnement et à l'attractivité du territoire lyonnais, tout en valorisant les actions conduites par les associations et les institutions culturelles avec leurs artistes. Donc cette réflexion commence. Donc laissez-nous quelques mois, et puis avec les différents partenaires intéressés, nous en parlons pour qu'ensemble nous travaillions, puisqu'il n'y a pas la région d'un côté, le département de l'autre, et nous, c'est toute une grande famille qui vise pour un objectif commun, développer la francophonie et ses initiatives. Un grand merci de votre attention. J'en profite le temps qu'ils descendent pour remercier aussi, moi à mon tour, tous les présidents qui ont travaillé à la francophonie. Je voudrais remercier le président Jules Chiron, dont j'ai été un emmerdeur solide, mais qui a été un partenaire formidable, et qui d'ailleurs m'a beaucoup aidé ces derniers mois à créer les contours du nouvel institut. Et puis remercier notre collègue Lavorel, qui est avec moi depuis quelques années, depuis qu'il était mérite, et qui nous donne vraiment un très, très, très grand coup de main pour développer le côté recherche de l'Institut. Et puis enfin, je vois que quelqu'un est triste. Ça, moi, il paraît que je fais de la peine à beaucoup de gens, mais ça m'ennuie de le voir. Et donc, je voulais saluer l'ami Pierre Gély, secrétaire perpétuel de la Cabination d'Outre-mer. Et je suis très heureux que la Cabination d'Outre-mer ait enclenché la francophonie de façon nouvelle, dynamique. Vous avez pris des initiatives. Ce dictionnaire qui a comme volonté de mettre dans le français universel des mots créés en Afrique, et non pas que ces mots créés en Afrique restent simplement propriété de l'Afrique. Vous avez lancé les entretiens d'Outre-mer. Et donc, je voulais aussi vraiment dire un mot sur vous. Monsieur, je vous ai permis de venir. Voilà, écoutez, vous avez la parole. Il marche, celui-là ? Oui. Mais il faut le tenir très près. Très près. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, monsieur le préfet, Monsieur le Président des universités, Madame la Rectrice, Messieurs les Directeurs, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous en qualité du représentant de Madame Danielle Schussvild, présidente du Conseil général du Rhône, à l'occasion de l'inauguration de l'Institut pour l'étude de la francophonie. Le département du Rhône a adopté le principe d'un partenariat avec l'Institut pour l'étude de la francophonie et de la mondialisation, IFRAMONDE, assorti de l'attribution d'une subvention à la structure dans le cadre de ce même partenariat. En effet, je suis heureux de pouvoir le dire,
Le département a toujours été très attentif dans le cadre de ses actions de coopération décentralisée, de ses relations avec les acteurs de solidarité internationale et également dans le domaine de l'éducation, à ce que la francophonie soit non seulement présente, mais aussi activement soutenue et promue. C'est donc dans cet esprit que s'est consolidé depuis plusieurs années ce partenariat avec l'une des institutions de référence qu'est l'Institut pour l'étude de la francophonie et de la mondialisation, IFRAMON, de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Identifier les coopérations francophones, faire partager aux acteurs rhodaniens par la formation les enjeux liés à la mondialisation et à la francophonie, mettre en place un réseau d'acteurs engagés dans les coopérations internationales francophones et aussi sensibiliser les enseignants et les élèves des collèges à la francophonie sont des principaux objectifs de notre partenariat. Il en va de même pour un certain nombre d'événements également consacrés à la promotion de la francophonie. Et en qualité d'ancien maire du 6e arrondissement, je crois que M. Guillou peut le dire, nous avons chaque année tenu le mois de la francophonie avec l'aide et le soutien de beaucoup d'acteurs, y compris évidemment de l'association Lyon-Québec avec laquelle nous portons cette manifestation. Dans ce domaine, le département peut aussi apporter son soutien concret à différents programmes tels que l'organisation des universités francophones d'été à Lyon. En outre, le département poursuit au quotidien des actions de sensibilisation dans les collèges et propose des formations professionnelles courtes au domaine de la francophonie. Cette inauguration de l'Institut international de la francophonie est un grand jour, non seulement parce que M. le président Aboudiouf, secrétaire général de la francophonie et ancien président de la République du Sénégal et des nôtres, mais aussi parce qu'il est le successeur de M. Léopold Sédar Senghor, qui a soutenu la création de la francophonie, fut vice-président du Haut Conseil de la francophonie et en 1962 fut l'auteur de l'article fondateur intitulé « Le français, langue de culture », dont il est extraite la définition passée à la postérité. La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre. Cette inauguration est aussi un grand jour, car en succédant à IFRAMON, Institut international pour la francophonie apportera une contribution originale, substantielle et également suivie d'une réflexion entraînant l'action, toute chose qu'appelle l'actualisation et le développement du projet de la francophonie. Cet institut renforcera donc les acquis d'une structure créée à l'initiative de Raymond Barre, tel que ça a été rappelé, alors maire de Lyon, et fruit de l'appui apporté depuis 10 ans par les différentes collectivités locales, dont le département du Rhône, et également porté par l'Université Jean Moulin Lyon 3, et bien sûr par la francophonie et ses opérateurs. Ce projet a été conçu pour l'Université de Lyon, permettra de regrouper et de mobiliser les forces, les capacités d'innovation et de proposition de tous ses membres, afin de faire de Lyon, du département du Rhône et de la région des acteurs majeurs nationaux et internationaux en matière de francophonie. Pour contribuer à cette création, qui est décisive s'agissant de la transmission et de la promotion de la francophonie dans le Rhône, et pour soutenir les actions liées au partenariat construit au fil de ces dernières années, le département a choisi d'allouer à IFRAMON une subvention en 2014, perpétuant une pratique régulière de plusieurs années. À l'heure de la mondialisation, on évoque souvent la menace d'une uniformisation linguistique ou d'une domination culturelle. Face à de tels risques, il nous appartient tous ensemble de relever le défi du pluralisme qui a toujours été une source féconde d'inspiration et de progrès pour l'humanité. J'ai la conviction que notre amour de la langue et de la culture française va de pair avec notre attachement à la diversité culturelle. Je souhaite bien évidemment un franc succès à l'Institut international de la francophonie. Je vous remercie de votre attention. La parole maintenant à M. Bernard Soulages,
vice-président aux relations internationales de la région Rhône-Alpes, qui représente M. Kerran. Un petit mot rapide aussi d'intermède pour dire à M. le secrétaire général de la francophonie qu'il y a eu à l'OIF beaucoup de passeurs qui nous ont aidés. J'ai une pensée particulière pour Clément Duhem, qui vous accompagne depuis votre nomination et qui a toujours été à nos côtés au niveau de l'OIF. Et je vois là-bas que monsieur Cantrenne, qui je crois aussi a été un ami fidèle et un soutien fidèle. Et encore une fois, peut-être un dernier, pour dire que je trouve que les Vietnamiens ont une place importante. Non seulement il y a deux anciens directeurs, il y a un ambassadeur, il y a Madame Phan qui est maître de conférence, mais effectivement, si on regarde Lyon 3, la francophonie vietnamienne se porte bien. Eh bien, monsieur le vice-président, s'il vous plaît. Merci, monsieur le secrétaire général. Je vais faire aussi comme Christian Philippe, saluer d'un seul geste tous les autres partenaires et personnalités qui sont ici. Vous l'avez dit, je suis là remplaçant très volontiers Jean-Jacques Kerran, qui aurait souhaité être là. Nous sommes en assemblée plénière, nous partageons en ces fins de juin. Les agendas sont complexes et nous avions un débat important, mais il vous salue tous, évidemment, comme je peux le faire. Vous avez été plusieurs à rappeler l'engagement de la région, aussi bien pour la francophonie que pour l'Inframonde. Je ne vais donc pas y revenir. Ça n'est pas utile, je crois que vous le savez tous. À la fois Jean-Jacques Kerran, qui vient d'être élu président de l'Association internationale des régions francophones, ses prédécesseurs, et j'imagine ses successeurs, ont souhaité, souhaitent être les partenaires d'une francophonie vivante qui permette ce développement dans tous ses aspects. Et permettez-moi d'aller un tout petit peu au-delà de ce qui vient d'être dit, que je partage totalement sur les aspects plus universitaires, et je le dis devant autant de collègues, puisque nous sommes très nombreux ici à être universitaires, mais nous avons aussi en tête, et vous devez, nous devons y contribuer, trois objectifs complémentaires qui sont aujourd'hui au cœur de notre réflexion. La première, c'est évidemment la jeunesse. Quand nous allons dans nos pays, nous voyons cette volonté très puissante, très forte, d'un certain nombre de jeunes de continuer de pratiquer notre langue, d'en faire une première langue, une deuxième, voire une troisième, et de porter des valeurs, pas seulement la langue, mais aussi des valeurs. Et si personnellement aussi je me suis impliqué dans la IRF, par exemple, sur les questions de gouvernance, c'est parce que je sens l'aspiration à ce que les valeurs de gouvernance qui a porté la France objectivement dans toute une série de son histoire soient aussi véhiculées à travers la langue qui nous appartient. La deuxième chose, c'est aussi notre objectif, c'est de faire qu'il y ait des échanges économiques. Je suis souvent, comme vous, à Bruxelles ou ailleurs, je vois l'archi-domination d'une autre langue. Ne soyons pas mauvais perdants, on n'est pas obligé non plus de la citer, mais en 10 ans, les choses ont bougé. Et aujourd'hui, nous ne parlons plus que cette langue dans les échanges économiques. Eh bien, c'est un handicap qu'il faut aussi avoir clairement sur la table. Et il faut avoir cette volonté d'un développement économique francophone. C'est ce que nous portons aussi avec nombre d'entre vous, et notamment ces jeunes porteurs de l'esprit d'entreprise. Et monsieur le secrétaire général, dans votre pays, j'en ai vu beaucoup qui avaient cet état d'esprit. Et puis enfin, ce troisième objectif, c'est de porter au-delà de ceux qui sont les locuteurs naturels. Nous voulons, et vous voulez, porter ce message auprès de gens qui, parfois de façon formidable, mais un peu isolée, se battent pour la francophonie. J'en rencontre beaucoup, au titre de mes fonctions en Europe, dans les pays dits de l'Est, Roumanie, Pologne, tous ces pays qui ont été des foyers formidables de francophonie. Aujourd'hui, il faut être présent là aussi et porter ce message, et c'est aussi ce que nous voulons faire. Voilà les quelques points complémentaires que nous portons. Monsieur le secrétaire général, j'ai découvert votre pays tardivement, mais j'ai eu, comme beaucoup j'imagine dans cette salle, une formidable émotion en allant à Saint-Louis, qui est jumelée avec Rhône-Alpes, la région de Saint-Louis est jumelée avec Rhône-Alpes. Et comme certains d'entre vous j'imagine, je suis allé sur cette langue de barbarie,
Et au soir venu, j'ai vu ces centaines de pirogues qui quittaient la langue de Barbarie pour aller pêcher. Et en associant ces deux idées, je me disais, le marin que je suis, il aime pêcher. Et on peut, au fond, faire trois pêches. La pire, c'est la pêche aux requins. La moyenne, c'est la pêche aux anguilles. Les deux premières, je les connais bien en politique. Et puis, il y a un troisième moment divin, quand on aime la mer. C'est le moment où on croise les dauphins. On pêche plus, là. On s'aime, on s'accompagne. Et je voulais simplement souhaiter à l'Inframonde et à cette évolution formidable que vous êtes en train de mettre en place, qu'il y ait très peu de requins, très peu d'anguilles, et beaucoup de dauphins pour vous accompagner vers le large et gagner tous ensemble. Chers amis, nous allons, le président Colombier et moi, donner la parole à son Excellence, Monsieur le Président Abdou Diouf, pour son allocution de clôture et d'ouverture, d'inauguration de l'Institut international pour la francophonie. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Préfet de la région Rhône-Alpes, Madame la rectrice d'Académie, je vous ai dit tout à l'heure que j'espère qu'Hélène Carrère-Dancos ne va pas me taper sur les doigts, parce qu'elle n'est pas beaucoup la féminisation. Monsieur le Président Combi, Monsieur le recteur Guillou, chers amis, mesdames, messieurs les recteurs, présidents d'universités, doyens et professeurs, éminentes personnalités régionales, départementales, communales et locales, mesdames, messieurs, chers étudiants, en 2001, l'université Jean Moulin Lyon 3 créait l'Institut pour l'étude de la francophonie et de la mondialisation. Inframonde, connu désormais de tous. La mission spécifique dévolue à cet établissement, appelé à se fondre dans l'entreprise qui nous rassemble aujourd'hui, a été d'interroger à la fois la francophonie comme problématique universitaire de formation et comme objet de recherche et d'études. L'acquis depuis est vaste. Outre la mission éducative prioritaire d'Inframonde et l'atout que représente le réseau international des chaires Senghor, qui s'élève au nombre de 17, citons la création et la diffusion de la Revue internationale des mondes francophones, le nombre considérable d'entretiens de la francophonie et de colloques internationaux, la production de manuels d'enseignement. Après une première convention avec l'OIF visant Inframonde en 2008, la demande croissante des publics a amené l'Université Lyon 3, comme pour un pas décisif vers ce qui nous réunit en ce jour, à signer, en la personne de son président Jacques Combi et de votre serviteur, un accord cadre avec l'OIF le 20 février 2013. Celui-ci venait rappeler, dans la durée, une collaboration déjà longue, élargie entre-temps à la formation des cadres de notre organisation
et à celle des participants sur le départ du programme de volontariat international de la francophonie. Mesdames et messieurs, quand le dire et le faire vont ensemble, la francophonie est une belle harmonie, aurait pu conclure de ce bilan flatteur Montaigne, qui n'était pas de Lyon. Car, mais tout le monde est de Lyon. Car c'est dans son ouverture que la francophonie fait la démonstration de son aptitude au dialogue, dans sa force de conviction, celle de rassembler les volontés dans toutes les régions de son espace linguistique, sans prévention à l'égard de ceux et de celles qui, avec vaillance et désintéressement, se sont proposés pour la servir. Raymond Barre a été de ses interlocuteurs d'exception lorsque, et Michel Guyou l'a rappelé, Premier ministre tous les deux dans les années 70, nos fonctions nous menaient sur la voie d'une coopération loyale et franche où se signalait la compétence rigoureuse de ce serviteur de l'État doté d'une grande hauteur de vue dont Lyon et la France tout entière peuvent durablement s'enorgueillir. Mais c'est aussi de ses besoins que la francophonie fait ressortir son exigence de coopération. Pour reprendre la formule inventive et conviviale proposée par le recteur Michel Guyou, c'est le tour du nouvel institut autour duquel nous nous sommes réunis de proposer à tous ceux qui acceptent de se prêter à l'exercice une table d'idées voué à la réflexion sur l'univers francophone. Un monde francophone d'abord vu de France, la francophonie ayant pour cœur de métier la langue française et la France, phare des valeurs que nous partageons, étant la patrie de cette langue qu'elle partage désormais avec 76 autres pays, dont la moitié sur le continent africain. Le nouvel Institut international pour la francophonie de Lyon, 2IF, est une initiative bienvenue, pour ne pas dire attendue, et dont je remercie avec chaleur les institutions locales et régionales ici représentées, qui font de Lyon la première ville francophone de France, comme je me suis toujours plu à l'affirmer. Si toutes les villes de France étaient aussi engagées dans la francophonie, aussi militantes que Lyon, je n'aurais plus de problème pour la francophonie en France. Parce que vous savez que j'en ai. D'autant que le tissu francophone appelle un remaillage et son expertise en particulier africaine, une revalorisation qui équivaut presque à un retour en vocation, tant la mondialisation encourage, dans ce pays de France que nous aimons, les regards et les départs pour d'autres espaces que le nôtre. Reprenant l'œuvre d'Iframonde, le nouvel institut viendra pérenniser et plus encore diversifier et compléter ce qui fut une action combien précieuse, rappelée à voix peut-être plus forte parce que disposant de plus de moyens, l'expérience historique que la France possède du monde, la haute compétence de ses ressources humaines, l'inventivité de ses réseaux, les formations s'en trouveront consolidées, les énergies ralliées dans l'enseignement et la recherche.
c'est que, en termes d'intelligence collective, le chantier qui vous attend est chargé d'ambition et de justes attentes. Sans encore assurer la juste redistribution des richesses, les taux de croissance africains éveillent les appétits. La pauvreté attend des réponses sociétales innovantes. Les systèmes d'éducation réclament d'être restaurés pour faire face tant à la perte de qualité qu'à la population scolaire en croissance. Les crises affectent l'Afrique, au cœur de la francophonie, si bien que 70% des opérations de maintien de la paix à l'œuvre actuellement dans le monde se situent dans l'espace francophone, tandis que 30% à peine des effectifs concernés par le français. Oui, dans la mesure où celui-ci entendra croître à son écoute et fermement la servir, dans un effort concerté avec les acteurs de la francophonie universitaire et renforcé du soutien des chers Senghor, l'Institut international pour la francophonie se promet à un rôle majeur, qu'il s'agisse de la promotion du français, de celle de nos valeurs en partage et de l'exercice utile d'une coopération qui soit inventive pour le Sud et respectueuse de son appropriation par ses destinataires. Mesdames, Messieurs, il faut bien qu'un 19 juin succède au jour qui le précède. Et je ne vous parle pas de celui qui fut celui de Waterloo. Parce que j'étais à Québec, je venais d'avoir une petite fille, une de plus, j'en ai à peu près 14 petits-enfants. Une petite fille venait de naître le 18 juin. Et je me suis glorifié en disant, vous voyez, mon fils, son père, est né un 14 juillet. Ça ne peut pas être plus français. Et il donne naissance à une petite fille qui est née le 18 juin. Là, c'est magnifique. Et un de mes collaborateurs canadien québécois, m'a dit, ah, monsieur le président, il faut faire attention. Le 18 juin, c'est aussi Waterloo. Je dis, taisez-vous. Le 18 juin 1940 a effacé définitivement pour nous, pour les Français et pour les francophones, le 18 juin 1815. Alors, à l'instar du général de Gaulle, la francophonie peut également se prévaloir, incarnée par ses militants, d'un long et opiniâtre compagnonnage. Vous savez, tout est question de volonté. Mais une volonté qui se forge à l'épreuve des faits, mais qui se renforce et qui ne faiblit pas. Tout à l'heure, on a parlé de notre langue. La demande de français est en croissance continue, partout dans le monde. Mais les moyens ne sont pas là. Le nombre de locuteurs augmente tout le temps. On a parlé tout à l'heure de ce chiffre de 700 ou 800 millions en 2050. Mais il y a des conditions. Il faut la volonté. Il faut qualitativement et quantitativement que la scolarisation continue. Si nous bornons seulement à dire, bon, nous dormons et voilà, les enfants vont naître, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre le français. Non. Il faut que ce soit accompagné d'une réelle volonté politique à tous les niveaux. Et à ce moment-là, nous devons également veiller à la qualité de l'enseignement.
L'autre jour, autour du président de la République, nous avons discuté de cette question, M. Hollande. Nous avons dit, oui, le français, bien sûr, le nombre de locuteurs va augmenter, nous allons avoir davantage de locuteurs. Mais j'ai dit, oui, mais attention, il faut veiller à la qualité. Parce que qu'est-ce qui fait la force du français? C'est une langue belle. Je ne nous jette pas les fleurs, tout le monde le sait. Le monde entier dit que la langue française, elle est belle. Elle est élégante. Elle est riche. Elle peut rendre compte de la totalité du monde actuel et à venir. Mais si nous avons une si belle langue, nous devons la préserver. On dit qu'à Bruxelles, on ne parle presque plus français. C'est vrai, dans les couloirs, on parle français. Mais au niveau des documents, je suis entré un jour dans le bureau de Louis Michel, commissaire européen. Il avait préparé des rapports en français. Il les a envoyés au secrétariat. Et ensuite, on les a distribués en anglais, y compris à lui. Alors, s'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas la volonté politique de se battre pour défendre cette langue, pour son usage, que ce soit à l'ONU, dans les organisations internationales, aux Jeux Olympiques, partout. Évidemment, vous avez beau avoir le plus grand nombre de locuteurs français, ça ne se saura pas. Or, qu'est-ce qu'on dit? Ce qui ne se sait pas, n'existe pas. Donc, il faut que nous veillions à ce que notre langue soit parlée. J'ai été très heureux d'apprendre que l'autre jour, au Forum économique de Montréal, on a beaucoup parlé français, y compris Madame Lagarde. Parce que quelquefois, j'ai l'impression que certains hauts fonctionnaires, il faut le dire, la vérité, que certains hauts fonctionnaires français ou de nos pays aussi, voulant montrer qu'ils sont dans le vent. Ou bien par fonction, parce que ces organisations, il faut le dire, parlent surtout anglais, répugnent à parler notre langue. Mais là, je dois dire honnêtement que, à Forum de Montréal, le français a été respecté. Et à Bruxelles, il suffit d'un peu d'effort, d'un peu de vigilance et taper quelquefois sur la table. Vous vous souvenez du jour où M. Ernest Antoine Seyer, pour ne pas le nommer, avait parlé en anglais alors qu'il y avait la traduction simultanée. Et le président Jacques Chirac est sorti de la salle, ainsi que tous les ministres qui l'accompagnaient. Et après, je m'excuse, je ne fais la propagande pour personne. Hein. Et après ça, Jean-Claude Juncker a dit, et encore, M. Seyer a parlé un anglais médiocre. Vous voyez la différence? Il aurait pu parler un très beau français avec des interprètes chevronnés qui auraient traduit ce français et il aurait été bien compris dans toutes les nuances de sa pensée. Il a parlé un anglais médiocre et il a abouti à un résultat désastreux. Alors, tout ça, finalement, on n'a aucun bénéfice à faire ça. Et on n'est pas respecté pour autant. Je suis désolé, quand je parle de ces choses-là, je suis surtout au moment où je vais partir. J'aime bien laisser un peu un testament. C'est ici que se signale particulièrement celui vers qui se tournent aujourd'hui tous les regards. Président Combu, vous l'avez traité d'emmerdeur, je crois. Mais il sait très bien, il est bien placé pour savoir ce que parler veut dire. Et que c'était un mot d'affection et d'admiration. J'ai cité Michel Guillou, à qui il est revenu de former et sensibiliser les décideurs d'aujourd'hui et de demain, et mener des recherches sur l'objet francophonie. Ce avec un accent tout particulier lorsqu'il s'est agi d'interroger son attractivité.
pour nous qui sommes réunis en ce grand moment d'inauguration. Cette attractivité ne fait guère de doute. Sur tous les continents, des voix s'élèvent exprimant un désir de Français. Nous sommes en pleine Coupe du Monde. Vous avez assisté l'autre jour à plusieurs matchs, notamment je crois que le match Brésil-Mexique. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le jour même de ce match, une délégation mexicaine, très forte et très enthousiaste, sortait de mon bureau pour demander à adhérer à la francophonie. Alors, est-ce que nous sommes vraiment des ringards et des dépassés, ou plutôt c'est nous qui exprimons l'avenir, puisque cette attractivité, elle ne se dément jamais. Quelques mois avant, c'est la présidente du Costa Rica qui est venue elle-même jusqu'à mon bureau plaider pour que le Costa Rica, qui parle français, entre dans notre organisation. J'ai dit, mais Madame la Présidente, il faut donner un dossier, voilà comment. Je n'avais pas fini de parler, elle me remet le dossier qu'elle avait déjà préparé. Très méthodiquement, je pense que l'ambassadeur de France au Costa Rica l'avait aidé à faire les choses. Mais c'est vrai que cette expression d'un désir de Français, réclamant le droit de rêver, de vivre et de travailler avec cette valeur ajoutée qu'offre notre langue à ceux qui l'aiment et la pratiquent, est réelle. Pour achever de vous rassurer, et je vous l'ai déjà dit, jamais, jamais, jamais il n'a été inscrit dans la charte de la francophonie que notre rôle, c'était de combattre l'anglais. Jamais. Au contraire, nous considérons que la francophonie est le porte-drapeau du multilinguisme. Qu'est-ce que nous voulons ? Il y a le 7 décembre, je réunissais les hispanophones et les lusophones, monsieur le recteur Cerchellini, nous étions ensemble, et la francophonie pour travailler ensemble, pour dire le monde sera multiculturel. Le monde sera un monde de diversité culturelle, de diversité linguistique, ou il ne sera pas. Ou bien alors il court vers sa mort. Nous le savons. Donc, ne soyons pas pessimistes. Ne soyons pas trop optimistes non plus. Soyons pragmatiques et volontaristes. C'est ça que nous devons faire. Mais ce serait dommage avec une langue aussi belle que celle que nous avons et que tant de monde à travers notre univers veut pratiquer, que nous baissions les bras. De même qu'il existe un espoir français-africain, il existe de par le monde une espérance ressentie et qu'exprime la langue française. C'est dire que présent dans toutes les régions du monde, l'espace géographique francophone est riche de sa diversité. J'espère qu'on ne va pas continuer maintenant à critiquer ceux qui ont un accent. Même chez vous en France, vous avez des accents divers. Alors, que l'Ivoirien ait son accent, le Sénégalais son accent, le Québécois son accent, mon Dieu. Mais au contraire, ça fait partie de la richesse et du génie de notre langue. Alors, et puis, qu'on soit un peu indulgent pour ceux qui apprennent notre langue, qui veulent l'apprendre et qui n'osent pas le parler, parce qu'il y a une tradition qui existe depuis toujours. Quand j'étais élève à l'école primaire, c'était déjà ça. Quand quelqu'un fait la moindre faute en français, tout le monde s'esclave et il est pratiquement pointé du doigt. Soyons indulgents. Pour ceux qui veulent apprendre leur langue. Les autres langues ne font pas pareil. Ça donne toujours cette impression que notre langue est une langue élitiste. Acceptons qu'elle soit élitiste, d'accord, qu'elle exprime les plus belles notions philosophiques, scientifiques, tout ce. Mais en même temps, qu'elle soit une langue populaire aussi. Molière disait, quand j'écris, je veux être compris par ma ménagère, n'est-ce pas ? Alors, soyons aussi pour une francophonie populaire. Et j'ai ressenti très fortement le désir de cette francophonie populaire
il y a quelques jours à Dakar, quand j'ai réuni le congrès des organisations de la société civile francophone, des ONG, du réseau des femmes pour l'égalité femmes-hommes, je dis bien l'égalité femmes-hommes, je ne dis pas l'égalité hommes-femmes, pour l'égalité femmes-hommes, pour la plateforme également des jeunes, tout ce monde était à Dakar pour célébrer la francophonie et préparer le sommet historique. Je peux dire historique, c'est pas parce que je sors, hein, c'est pas parce que... le sommet historique de Dakar qui aura lieu en novembre et qui aura pour thème femmes et jeunes en francophonie, vecteur de paix, acteur de développement. Mais ça pourrait résumer la devise de la francophonie, ça pourrait résumer la francophonie, ce que nous sommes et qu'on nous envie. Un dernier mot, je m'excuse d'être un peu bavard, un dernier mot. On dit souvent le français, oui, se perd, mais tout le monde sait très bien que les Anglais même ont peur pour leur langue. Parce que ce que l'on parle et que tout le monde voudrait parler, ce qu'on appelle, si vous me permettez, monsieur le préfet, le globish, c'est quoi? C'est l'anglais d'aéroport. C'est un langage très pauvre. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons pour nos enfants demain? Nous voulons que nos enfants demain parlent un bon français, mais qu'ils parlent aussi un bon anglais. Parce que même les Français, les Anglais ont peur pour leur langue à cause de cet appauvrissement et pour cette mondialisation débridée. Attention, je ne suis pas contre la mondialisation, mais je suis pour la bonne mondialisation, celle qui véhicule la diversité culturelle et linguistique, celle qui est une mondialisation démocratique, une mondialisation qui respecte le multilatéralisme égalitaire entre tous les États du monde. Je suis pour cette mondialisation qui ne laisse personne au bord de la route, mais qui permet une croissance globale de l'économie mondiale et une répartition, je ne dis pas égalitaire, mais équitable. On est pour cette mondialisation, mais si c'est pour une mondialisation, mais je ne fais pas de politique, hein, je ne fais pas de... C'est pour mondialisation du profit et non pas une mondialisation du travail et de la répartition. Évidemment, cette mondialisation n'est pas bonne. On parle beaucoup de croissance en Afrique, mais une croissance qui n'est pas accompagnée de développement n'est pas une vraie croissance. Donc veillons, nous, Africains, à ce que cette croissance soit une croissance qui amène un développement humain. Comme disait Senghor, développement de tout l'homme et de tous les hommes. Il faut que cette croissance permette de réduire la pauvreté, permette de répartir les richesses créées entre toutes les populations de notre planète. Mais tout cela, vous le savez mieux que moi, je n'ai pas besoin d'insister. C'est dire que présent dans toutes les régions du monde, l'espace géographique francophone est riche de sa diversité. L'universel est à penser ensemble, au pluriel des cultures et au pluriel des langues avec lesquelles évolue le français. C'est pourquoi, au contraire du repli qui peut parfois tenter certains et dont il arrive que pauvres en véritable rencontre, la mondialisation vient paradoxalement souligner l'archaïsme des référents du discours, la francophonie se doit à elle-même d'être profondément concertée, ouverte, moderne et dynamique. N'acceptons plus jamais qu'on dise de la francophonie qu'elle est ringarde et passéiste. Elle est tout à fait tournée vers l'avenir, elle est moderne, dynamique. Je souhaite à cette entreprise qui nous est commune tous les succès que la francophonie est en droit d'en espérer. Longue vie à l'Institut international pour la francophonie. Je vous remercie de votre aimable attention.